Salut tout le monde et bon matin. On se retrouve en ce mardi matin pour un nouvel entraînement. Donc, moi, c'est Annabelle. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis kinésiologue dans les cliniques Kinatex de la région de Québec. Puis, je vais être avec vous ce matin pour vous guider dans l'entraînement du jour. Donc, j'espère que tout le monde est pas mal prêt. Je laisse une à deux minutes pour que les gens puissent finir de s'installer. Donc, finir de se joindre à nous. En attendant, si c'est pas fait, allez chercher votre matériel du jour. En fait, il y a pas grand-chose, là. Ça va être plutôt d'avoir votre bouteille d'eau à proximité. Parce que c'est un entraînement qui va donner chaud aujourd'hui, là. On se lance dans un style Tabata. Donc, on va avoir chaud. Alors, bouteille d'eau, très important. Sinon, donc, pas de poids, pas d'élastique, pas de ballon seulement. Peut-être tapis de yoga, si vous voulez l'utiliser, là, pour quelques exercices qu'on pourra faire plus au sol. Donc, on en a pas beaucoup. On va avoir notre période abdo, là, qui va avoir nécessité plus d'aller au sol. Donc, préparez ça. On va laisser un petit peu de temps encore. En attendant, je vais vous expliquer qu'est-ce que va être l'entraînement du jour. Donc, comme vous avez vu dans le plan disponible sur les pages Facebook, on avait parlé d'un entraînement style Tabata. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Tabata, en fait, là, c'est des intervalles courts. On va faire plusieurs exercices pour une durée de seulement 20 secondes, suivie de 10 secondes de pause. Donc ça, c'est vraiment le style Tabata, c'est propre au style Tabata, de 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Donc, on va faire nos exercices comme ça, sous forme de circuit. On va avoir beaucoup de cardiovasculaire aujourd'hui, un petit peu de musculaire aussi mêlé à tout ça, donc pour un travail du corps complet. Ça va commencer évidemment par un échauffement, donc dans le but d'augmenter tranquillement la température du corps, donc 5 minutes environ d'échauffement, d'activation pour pouvoir commencer ensuite dans la période plus intense. La période plus intense va être le Tabata en tant que tel et va durer une vingtaine de minutes. Donc, on va avoir quatre exercices plutôt différents qu'on va réaliser 8 fois chacun. On va prendre des pauses à travers tout ça, là, inquiétez-vous pas. Ensuite, on va avoir une période de renforcement de la ceinture abdominale qui va durer 2 minutes environ. Et on va terminer par un retour au calme de 4 à 5 minutes dans lequel on va intégrer différents étirements à tout ça pour finir en douceur. Donc voilà, ça va ressembler à ça aujourd'hui. Je vous invite toujours à commenter sur la page Facebook de Kinatex Sport Physio. C'est toujours le fun de lire vos commentaires en live, de savoir que vous êtes là, que vous participez, puis comment vous trouvez ça là, au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en tout temps. Puis aussi, inviter des amis à participer avec vous. C'est toujours le fun quand on est une belle grosse gang à faire l'entraînement tous ensemble. Donc, je pense qu'on va être pas mal prêts à commencer à cette heure-ci. Je vous rappelle, bouteille d'eau, tapis de yoga pour le matériel. That's it. On n'a besoin de rien d'autre aujourd'hui. Alors, on va commencer tranquillement notre activation avec notre échauffement. Donc, première étape, je commence toujours par mon classique, la belle marche sur place. Alors, c'est parti pour tout le monde. On s'active, on bouge, marche sur place, qui peut être en déplacement aussi si votre espace le permet. Il n'y a aucun problème. Donc, la marche là, va juste servir à prendre conscience de la posture. Ben oui, à augmenter tranquillement la fréquence cardiaque, la respiration aussi. Mais on prend conscience de sa posture pendant ce temps. On en profite pour penser là, si on a un bel alignement postural. Donc, nos conseils principaux pour la posture va être d'abord de regarder droit devant. Donc, de ne pas regarder au sol. Ensuite, pour les épaules, on veut les garder relaxes, garder détendues. Donc, éliminer toutes les tensions, garder les épaules basses. Si on parle des abdominaux maintenant, on veut une légère contraction dans la ceinture abdominale. Donc, pour être solide dans son mouvement, qui va nous permettre de faire des mouvements sécuritaires et efficaces tout au long de l'entraînement. Pour la posture générale, on voudrait avoir la colonne bien allongée. Colonne vertébrale droite, on imagine un fil qui nous tire par la tête comme pour se grandir. Good. Et on va garder là, pour la marche, pour la plupart des mouvements, les pieds pas mal largeur des épaules. Fait que ça ressemble à ça pour notre posture. Donc, poursuivons notre échauffement avec des exercices un peu plus spécifiques. On va aller travailler les hanches pour débuter. Donc, je vous invite à vous placer les pieds largeur des épaules. On va aller en extension et en flexion. Juste faire une jambe, quelques répétitions, on passera à l'autre. Ensuite, on ne fera pas en alterné. Donc, on a besoin d'équilibre. Si c'est plus difficile, placez-vous près d'un mur. Donc, flexion et extension de la hanche. On y va comme ça en balancement. Okay, grand mouvement. Okay, ce qu'on veut s'assurer, c'est de garder le contrôle au niveau du bassin. On ne veut pas que ça parte trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. Une dernière. On complète et on ramène. On va faire l'autre jambe, même chose, pour aller activer
la hanche. Et bougez dans l'articulation. On garde le bassin stable, le tronc droit. Seulement bougez la hanche. On peut serrer la fesse ici en arrière à la fin du mouvement. On va pour une dernière répétition. On complète. On revient. Qui est largeur des épaules. On reprend l'autre jambe, celle qu'on a commencé avec, pour une rotation, encore une fois, pour activer l'articulation de la hanche. Près d'un mur si l'équilibre est difficile, et on fait un cercle. Comme ça. Et j'ai les mains sur les hanches, mais ça pourrait très bien être le long du corps aussi, ou en croisé, ou encore le long comme ça, pour favoriser un peu l'équilibre. On garde la même jambe, on tourne dans l'autre direction. On s'assure de garder toujours une petite flexion dans le genou de la jambe d'appui. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc en équilibre, mini flexion. On fait une rotation de la hanche. On va chercher des grands cercles. Et on garde le corps droit, un bon alignement au niveau du tronc. OK, on va faire la même chose dans l'autre sens. C'est parti. Allez-y à votre vitesse vraiment là. Et ça, c'est vrai pour tous les mouvements qu'on va faire aujourd'hui. Il est important de respecter vos capacités. Je vais vous donner différentes alternatives, mais n'hésitez pas si jamais vous avez besoin de prendre une pause. Prenez-en quand bon vous semble, quand vous aurez sauté le besoin. Par la suite, on va continuer notre échauffement avec les chevilles. Donc, première étape, c'est de monter sur la pointe des pieds. Ajouter une petite marche, pointe de pied comme ça. Donc, on marche sur la pointe des pieds, on peut le faire sur place, en déplacement. Et en même temps, je vais vous faire ajouter une tirade avec les bras. On pousse devant, on revient vers l'arrière, comme ça. Comme si on voulait squeezer les omoplates à chaque fois, tout en marchant, pour aller échauffer cheville et haut du corps en même temps. Okay, on va revenir les pieds au sol. On va maintenant sur les talons, en fait. On lève les orteils, on garde le dos droit. On fait quelques pas. Et on va ajouter un mouvement de bras encore une fois. Vous pouvez le faire en déplacement si vous voulez. On ajoute les ciseaux, comme ça. Et là, on garde les fesses, les hanches ramenées vers l'avant. On ne veut pas sortir les fesses. Donc, ciseaux de bras, marche sur les talons, quelques répétitions. OK, on relâche et tout, revient les pieds au sol. Flexion latérale du tronc pour réchauffer les obliques. D'un côté, revient, alterne de l'autre côté. Comme ça. Vous pouvez sentir un étirement ici, là, dans l'oblique à chaque fois. Allez à l'amplitude qui est confortable pour vous. Si ça ne fonctionne pas avec les bras au-dessus de la tête, vous pouvez y aller le long du corps. C'est bien correct, il n'y a pas de problème. Dernière fois de chaque côté. Ici, une dernière là. Good. Et on va continuer. Là, il y a 2-3 exercices pour terminer l'échauffement. Des pas chassés. En fait, je fais un pas de côté. Je croise derrière. Un pas croisé, plutôt, excusez. Comme ça, on revient devant et on croise en avant. Donc, croisé, devant, derrière. Faites quelques pas de chaque côté selon votre espace. Pour aller bien échauffer toutes les hanches, bassin, chercher une chaleur généralisée aussi, on peut laisser les bras bouger naturellement. On va revenir au centre et on va terminer notre échauffement avec les mouvements du cou. On revient, puis largeur des épaules. Et, premièrement, rotation du cou. On va porter le menton vers l'épaule, d'un côté à l'autre. Quelques répétitions seulement de chaque côté. Une dernière fois, côté là et puis l'autre. On revient, dernier mouvement pour l'échauffement, pour le cou encore, flexion latérale. On descend l'oreille vers l'épaule de chaque côté. On pense à sa posture, dos droit, abdos engagés. Les genoux légèrement fléchis. On va doucement dans le mouvement et on va pas trop loin. Dernière fois à chaque côté. Et parfait. On revient en surplace. Allez boire une gorgée d'eau. Ensuite, on va commencer le cœur de la séance. L'entraînement Tabata. Donc, l'entraînement du jour. Je vais vous expliquer les exercices tout de suite et le principe qu'on aura à faire. Je vous avais parlé d'une vingtaine de minutes
qui va suivre. Ça va être le cas, donc, avec 4 exercices différents. Donc, nos 4 exercices, on va les faire en circuit. Donc, exercice 1, 2, 3 et 4, un après l'autre. Pour chacun, 20 secondes. 20 secondes d'effort, il y a 10 secondes de repos là, entre chacun des exercices. Donc, c'est notre style Tabata. Donc, on va suivre les exercices 1, 2, 3, 4, 4 fois, sans prendre de pause. Quand ça va faire 4 fois qu'on a fait là, nos 4 exercices, on va se donner un petit break de 1 minute et demie, pour ensuite refaire ça une deuxième fois. Donc, au total, on aura fait 8 fois chacun des exercices. Il n'y a pas beaucoup de pauses là entre nos exercices, donc c'est seulement 10 secondes. Alors, je vous invite vraiment à respecter vos capacités. Si vous vous rendez compte que c'est trop difficile, prenez les options de mouvement qui vont être plus faciles. Ou si c'est trop facile, ben, on fait l'inverse, on va chercher une intensité plus élevée avec les options plus difficiles. Donc, il y a toujours des moyens d'adapter le mouvement selon vos capacités. Et si des pauses sont nécessaires, à tout moment, vous ne vous gênez pas pour aller boire de l'eau ou pour simplement reprendre son souffle, il n'y a pas de problème. Et je vais vous guider dans tout ça. Je vous montre tout de suite les mouvements 1, 2, 3 et 4. Faites-le pas tout de suite, sauf si vous voulez l'essayer. Là, ça compte pas, c'est la démonstration. Je vais vous montrer également les options que vous pouvez utiliser, par exemple, si vous voulez pas sauter ou si vous voulez un petit peu plus intense. Donc, le premier exercice, ça va être un power jack. Donc, je montre tout de suite l'option avec saut. Il y a d'autres options qui vont suivre. Donc, la première option de notre power jack, premier mouvement, c'est la plus difficile. Donc, c'est comme un jumping jack absorbé. On va ouvrir et on descend en squat, comme ça, puis on referme. Donc, je fais quelques répétitions. Donc, on descend en squat, absorbe et pousse les fesses vers l'arrière. C'est la première option. Deuxième option serait le jumping jack classique, qui est sans absorption. Et l'option sans saut serait le pointer de côté, comme ceci. Donc, trois options pour l'exercice 1. Vous prenez ce que vous préférez là-dedans et essayez de le garder tout le long. Deuxième exercice, fente avant-arrière. Donc, première option va être partir les pieds largeur des épaules. On fait un grand pas devant avec une jambe. On descend 90 degrés, garde le dos droit. Revient. Et c'est la même jambe. Celle qui allait vers l'avant va aller vers l'arrière ensuite. Comme ça. Fait que celle-ci, là, est juste restée en pivot. Puis on vient au centre. Fait la même chose avec l'autre jambe. On alterne comme ça. Si ça fonctionne pas à cause de la fente, à cause de l'équilibre, ben, je vous suggère de plutôt aller en squat à la place. Et si c'est trop facile, on va aller avec la fente sautée, si on préfère comme ça. Donc, simplement une fente sautée classique d'alterner à chaque fois. Troisième exercice, jogging genou haut. Les options sont les suivantes. Première, jogging, lève les genoux sur place. Si ça fonctionne pas, sans saut. Et une autre option serait de jogging, mais les genoux moins hauts, donc un jogging sur place sans genoux. Quatrième dernier exercice du Tabata, c'est des burpees. Donc, on se rappelle c'est quoi les gros burpees? C'est de simplement, premièrement, on saute ou on monte sur la pointe des pieds si on veut pas le saut. Donc, hop, les mains au sol, descend, on va se coucher complètement, on se pousse pour remonter, on ramène les jambes et on saute. À nouveau, ou sur la pointe des pieds. Il n'y a pas de problème, là, moi j'ai ramené les deux jambes en même temps, mais si vous préférez, par exemple, faire votre saut, descendre, vous pouvez monter une jambe à la fois, comme ça, pas de problème. On le fait chacun son rythme, on le fait à sa capacité. Donc tout le monde va travailler pendant le même temps, fait que ça se peut qu'il y en ait quelqu'un d'entre vous qui trouve ça plus difficile, plus facile, mais on adapte, respectez votre rythme. Donc voilà, c'est ça les exercices qui s'en viennent. On va commencer avec ça. Donc, power jack, fente avant-arrière, jogging genou et burpees. On passe ça dans quelques secondes. Donc, avec le power jack, c'est parti maintenant pour 20 secondes. On y va. Donc, 20 secondes d'effort, ça passe quand même assez vite. Je vous rappelle de gérer votre intensité pour être capable de toffer tout le long quand même. On ne veut pas partir trop vite. On veut bien doser. Dans 2, 1. On marche sur place, donc c'est notre 10 secondes de repos. Ça va assez vite. Prochain exercice, fente avant-arrière ou squat ou fente sautée pour les options plus dures ou plus faciles. C'est parti. Fente. Et moi, je vais faire la fente avant-arrière comme je vous ai montré. Mais vous, n'hésitez pas à prendre une autre option. Donc, pour la fente, là,
Dos droit, c'est très important. Et on veut pas que le genou d'en avant dépasse les orteils. 2, 1, on relâche. 10 secondes. Troisième exercice, le jogging genou haut. Dans 2, 1, c'est parti. Donc, comme ceci, option sauter, genou levé. Donc, il va être notre plus difficile. Si c'est encore trop facile, on accélère. Sans saut, comme ça. Ou simplement jogging sur place, petite course, là, sans nécessairement lever les genoux plus haut. Pour 2, 1, relâche. Et dans 10 secondes, on y va pour notre quatrième mouvement, les burpees, où on doit aller au sol. Dans 3, 2, 1, go! C'est parti! Hop! Au sol, engage bien les abdominaux pour remonter. Et on répète. Chacun son rythme, on peut lever une jambe à la fois. Et pas obligé de sauter, si tu préfères, pointe de pied. 2, 1, stop! Donc, dans 10 secondes, on reprend les jambes, on va refaire le circuit 3 autres fois avant de prendre la pause. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Dans 2, 1, power jack, go! Soit en power jack, ou en jumping jack, ou en pointé de côté comme ça, pour l'option sans saut. Ceux qui ont des voisins en bas, là, c'est peut-être préférable de prendre cette option. Si vous voulez pas créer de chicane. Dans 2, 1, on relâche et dans 10 secondes, le deuxième mouvement va s'en venir. Fente avant-arrière. Je vous rappelle que le squat est correct, la fente sautée aussi. 2, 1, on y va. Là, prenez votre temps. Si l'équilibre est plus compliqué, mais j'aime mieux que vous en fassiez moins, mais vous prenez le temps de bien vous placer. C'est mieux ça que de vouloir les faire trop vite, mais d'être tout croche. 2, 1, relâche. Good job, j'espère que ça va bien jusqu'à présent. Dans 3, 2, 1, jogging. On lève les genoux. Hop. On va bouger les bras aussi en même temps, ça va beaucoup vous aider. Et en même temps, essayez de toujours allonger la colonne vertébrale. Donc, ne pas courir écrasé, mais de courir grand. Et n'oubliez pas que l'option sans saut est tout à fait correcte. Dans 3, 2, 1, relâche. Good. Les burpees qui s'en viennent. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Saute. Au sol. Engage les abdos. Remonte les deux pieds ensemble. Hop. On répète. N'hésitez pas à aller chercher à votre vitesse. Vous pouvez aller plus vite, vous pouvez aller plus lent que moi. C'est vraiment pas grave si on ne suit pas tout. 3, 2, 1, stop. Encore 2 autres fois avant la pause, ça va super bien. J'espère que vous avez chaud. Dans 3, on va faire le power jack et c'est parti maintenant. Hop! Jumping jack, sinon. Je vous les rappelle souvent, là. Prenez l'option de votre choix. Puis si vous vous rendez compte qu'en cours de route, ça ne fonctionne plus, telle option, ben, n'hésitez pas à changer. 2, 1, stop. Fente. Dans 3, 2, 1. Allez-y, c'est parti. Avant, arrière. On peut faire un squat à la place. Si ça ne fonctionne pas, si c'est trop instable. Si t'en veux encore plus, vas-y en sautant. 2, 1. C'est beau. Jogging. Et le suivant. Avec les genoux levés. 3, 2, 1. C'est parti. Hop. Avec les bras, let's go. On allonge la posture. Bel engagement dans les abdominaux. Faut être solide. Faut être grand. Et c'est 10 secondes. Allez, hop, 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 hop. Ça va bien. Pour 3, 2, 1. Good, on relaxe un peu. Pour 20 secondes. Et les burpees. 3, 2, 1. C'est parti maintenant.
Dans 2, 1, stop! Dans 10 secondes, on va repartir ça pour une dernière fois avant la pause. Avec notre power jack, c'est ça? C'est parti maintenant! Absorbe le mouvement. Ok, je veux pas que les genoux bloquent puis qu'après on descende. Je veux que ce soit fluide. On absorbe de l'absorption et on garde le rythme. Dans 3, 2, 1, good. Dans 10 secondes, on repart avec la fente avant, arrière. 3, 2, 1, on y va. On descend, 90 degrés. Même jambe vers l'arrière, dos droit. Et change de jambe. Hop! Ok, encore un beau 5 secondes comme ça. 2, 1, et reviens au centre. Marche un peu. Deux exercices avant notre pause. Jogging genoux. 3, 2, 1, c'est parti. L'option aussi. Là, je fais l'option sans genou levé. Comme ça, qui est simplement le jogging normal. Cette option-là, je n'ai pas faite beaucoup, mais elle est possible. Donc, de lever les genoux, là, si vous faites celle-là, on lève les genoux très haut. Faites attention pour ne pas enrouler votre colonne vers l'avant. Vous restez toujours la poitrine très ouverte. Et même si on ne saute pas, ça peut être bien difficile pareil. 2, 1, relâche. Dernier mouvement. Burpees avant la pause. 3, 2, 1, let's go! Au sol. Vraiment, remontez un pied à la fois, une jambe à la fois. Ça va bien? Les deux en même temps. Puis on veut sauter grand en regardant loin, en avant. On ne veut pas regarder par terre en sautant. Sinon, ça va faire ça, on va être tout enroulé. Fait une belle posture. 2, 1, good. On prend une pause 1 minute à 1 minute 30. C'est normal qu'il fasse chaud à ce point-ci. Gorge et dos, on va recommencer avec les mêmes exercices. On a la moitié de fait, donc ça va super bien. On lâche pas. Prenez le temps d'ouvrir une fenêtre, peut-être d'aller chercher une serviette si nécessaire. On a la même chose qui s'en vient, donc si c'était trop facile tantôt, allez chercher les intensités plus difficiles. Et si c'était trop dur, allez chercher les options sans saut, les options plus faciles. Faites le mouvement plus lentement, tout simplement. Donc, on adapte le tout. Il nous reste 4 fois chaque exercice à faire. Après ça, on va passer aux abdominaux. Fait qu'on lâche pas, on a encore pas mal devant nous, mais ça va super bien. On recommence dans le même ordre. Premièrement, on aura le power jack, fente avant arrière, jogging genoux et burpees par la suite. Donc, on se prépare dans 3, 2, 1. Power jack, c'est parti maintenant. Ouvre et ferme et ouvre et ferme en absorbant. Continuez comme ça. On continue avec le power jack. Dans 2, 1, ok, on marche. Pente avant arrière qui s'en vient. On commence par n'importe quelle jambe, c'est pas grave. Parce qu'on les fasse pas mal à l'égal. 2, 1, on part ça maintenant. Avant et arrière. Ok, là, j'ai pas changé de jambe, mais n'oubliez pas de changer de jambe à chaque fois. Compenser en faisant deux fois du même côté aussi. 5 secondes. Et stop. À la marche. Dans 5 secondes, on poursuit avec notre jogging en surplace. Genou levé ou sans saut ou bien classique. C'est parti. Hop. On n'oublie pas toujours grandir. La posture. Utilisez les bras. Quand les jambes ne veulent plus suivre, là, des fois, juste pomper les bras, ben, ça fait en sorte que les jambes suivent tout seul.
Ça nous donne un petit boost supplémentaire. 3, 2, 1. C'est bon. On se place, met en position pour les burpees. Et si c'est difficile, ben juste coucher au sol, se relever tranquillement, c'est correct. On y va. Pour 20 secondes. Donc, avec saut, ou bien même option que je fais, là, peut être pointe des pieds. 2, 1, OK, relâche. Une fois de complété, on recommence la même chose. 3 fois, et ça va bien aller. Dans 2, 1, power jack, c'est parti. Je vais faire la version classique ici. Vous pouvez garder la même que tantôt ou changer, dépendamment comment vous en êtes dans votre intensité. Donc, vous devriez être quand même assez essoufflé, avoir assez chaud à ce stade-ci, si ce n'est pas le cas. Augmente ou diminue l'intensité. 2, 1, relâche. Fente avant-arrière. N'oubliez pas que ça peut être un squat aussi si la stabilité est plus dure. C'est parti. Grand pas devant. Descends. Remonte. Même jambe vers l'arrière. Stabilité. Et si vous voulez faire la version sauter, n'hésitez pas. On a un petit peu plus de stabilité, mais comme ça, là, d'alterner et de retomber toujours 90. C'est parti, 90 degrés. On s'arrête. Jogging. Genoux levés. Maintenant, on y va. Hop. On pompe les bras. Et on essaie de maintenir la version genou haut. On va essayer d'aller chercher hauteur des hanches à chaque fois. Donc, de le faire quand même assez haut. 5, 2, 1, stop. Position burpees. 3, 2, 1, go. Encore 10 secondes, on attend d'attendre quelques-uns. Engage bien les abdos en remontant. Et tu peux remonter une jambe à la fois. 2, 1, good. Reste 2 fois. On lâche pas, on est presque passé à travers. Ça va vite. Power jack dans 2, 1. On y va maintenant. Hop. Absorb. Pousse les fesses en arrière. On ne veut pas bloquer l'articulation des genoux. Et on utilise les bras comme ça en ouverture. Dans 3, 2, 1, that's it. 10 secondes de pause. Fente avant-arrière. 3, 2, 1. Allez-y, c'est parti. Descends. Reviens tranquillement. On va être bien placé. Un mur ou une chaise à côté, ça peut beaucoup aider. On va chercher tous des stabilisateurs. 5 secondes. Et on marche 10 secondes. Good. Jogging le genou. Dans 3, 2, 1. On y va. Version sans saut. OK, cette version-là aussi, là, on va chercher hauteur des hanches, comme dans l'autre version. Et on peut aller plus vite aussi. OK, il reste 5 secondes. Pompe les bras. 3, 2, 1, 10 secondes de break, et burpees par la suite, on se place, on peut être sur le tapis, au sol, on se prépare, 2, 1, maintenant, pointe de pied ou saut, descends au sol, couche-toi complètement, et remonte avec les abdos bien engagés, tire les deux pieds ensemble, et hop, vers le ciel, vers le plafond, chacun son rythme, 3, 2, 1, 10 secondes, on marche un petit peu. Allez, il y a juste une dernière fois. On fait tous nos 4 exercices une seule fois encore, puis on a terminé pour ce bloc-là. Donc, ça repart. Power jack. Maintenant, on y va. Option sans saut, c'est celle-ci. Je la rappelle. Elle peut être rapide aussi, là, même si vous ne sautez pas.
ou comme ça, ou bien, vraiment, power jack. Stop! Good job! Celui-là, c'est fini, on l'a vu. Donc, il nous reste pas d'avant arrière. 2, 1, on y va. Devant, derrière. Stabilisation, on prend son temps. Good. Avec saut sinon ou en squat si ça fonctionne pas. 3, 2, 1. Ok, on marche. Deux mouvements à faire avant la pause. Donc, jogging genou, ça s'en vient. Dans 2, 1. Posture droite, on s'agrandit. Et go, c'est parti. Soulève les genoux. Sinon, là, jog sur place, même piétiner comme ça si jamais ça ne veut plus monter. Mais on essaie d'aller chercher le plus d'amplitude possible jusqu'à la fin. Il reste seulement 5 secondes. Allez, let's go, let's go. Pas le temps de lâcher. 2, 1, stop. Relâche. Il y a des derniers exercices qui s'en viennent. Burpees avant de compléter notre circuit Tabata. On va rester autre chose après, hein, partez pas trop vite. Dans 2, 1, go. Et on saute, on monte au point des pieds. Lâchez pas, bon travail des abdos aussi. 3, 2, 1, c'est bon, stop. On prend une pause de 1 minute 30. Le temps d'aller boire une gorgée d'eau et de reprendre son souffle. On revient ensuite pour ceinture abdominale. Hey, good job, gang. C'était pas facile, c'est un gros bloc qui vient de passer. Mais l'important, c'est que vous l'ayez fait là, à votre rythme et que vous sentez que ça a travaillé quand même fort. Je laisse encore quelques secondes de pause. Marcher un peu, des fois, ça aide à récupérer un peu plus rapidement plutôt que d'arrêter complètement. Donc, on marche, on prend son souffle, on prend de l'eau. Il va nous rester la période de la ceinture abdominale. Ça sera pas très long, là, ça va durer 2 minutes. Après ça, je passe au retour au calme et étirement. Puis ça va être mission accomplie. Donc, notre période de ceinture abdominale, ça va être sous la même forme que ce qu'on vient faire. Donc, en fait, ce ne sera pas le même nombre de répétitions, ça va être les mêmes durées. Ça va être deux exercices qu'on va faire 2 fois chacun. C'est juste qu'on va le faire aussi 20 secondes d'effort et 10 secondes de repos. On le fera pas 8 fois, inquiétez-vous pas. Ça va être beaucoup moins long et ça va passer, donc ça va bien passer. Donc, ça se passe au sol. C'est beaucoup sur le dos, assis sur les fesses, donc en inclinaison, avec tapis de yoga si nécessaire ou serviette roulée. 2-3 épaisseurs de serviette peut faire très bien la chose aussi. Premier exercice, je fais la démo et je vais vous montrer l'autre tout de suite après. On part comme ça, on appuie sur les os des fesses, comme ceci. On place les genoux largeur des hanches, les pieds largeur des hanches aussi. Ce qu'on va faire, ça s'appelle une planche inversée en fait. Ce que je veux, c'est toujours bomber le torse comme ça, d'avoir une colonne bien droite et non enroulée vers l'avant. Donc, je peux avoir les mains ici ou croisées comme ça. C'est la position de départ. Quand c'est fait, ce que je vais aller chercher comme mouvement, c'est une inclinaison comme ça vers l'arrière sans changer la position de ta colonne, en restant toujours bien droite et je sentir que ça travaille dans mes abdominaux comme ça. On respire et on tient. Si c'est trop facile, simplement vous inclinez un petit peu plus ou bien le faire en soulevant les pieds. Et si c'est trop difficile, on fait le contraire, on s'incline un petit peu moins. Donc celui-là qu'on va faire 2 fois 20 secondes avec 10 secondes en choc. Ensuite, on fera le touche-orteil. Touche-orteil, on s'allonge sur le dos, on lève les jambes et on fait simplement comme si on allait toucher les orteils. Ce qui est en fait un demi-redressement assis, là, on décolle les omoplates du sol et on dépose. Ce n'est pas grave si on ne se tend pas jusqu'aux orteils, juste une image pour illustrer l'exercice, là, mais c'est pas grave, essayez pas de vous rendre nécessairement. Donc 2 fois planche inversée suivie de 2 fois touche-orteil et c'est fait pour les abdos. On s'installe sur les fesses, ouvre la poitrine, croise les bras ici ou comme ça et on descend le plus possible, allez-y, c'est parti. On tient
On respire. L'important, c'est de garder une belle position dans la colonne vertébrale. De ne pas s'enrouler parce que rendu comme ça, ça ne travaille plus grand-chose. Donc, ouvrez la poitrine. Respirez. Et si tu veux plus, soulève les pieds. 3, 2, 1. On relâche. Dans 10 secondes, on refait le même. Donc, on le fait deux fois. Après, c'est fini pour lui. Dans 3, 2, 1. Même chose. La poitrine incline le plus possible. On tient. Normal que ça shake là, en avant, que vous sentez que ça travaille fort. Et on essaie de garder quand même là, une belle position le plus possible en respirant. Donc, si c'est difficile, remonte un peu. Si c'est trop facile, redescends. Tu peux aussi soulever les pieds. 3, 2, 1, relâche. On se donne 10 secondes, le temps de se coucher sur le dos. On y va avec le toucher des orteils. Sur le dos, lève les jambes. Les bras ici, c'est parti, 20 secondes. On fait comme si on voulait les toucher les orteils ou les chevilles si vous préférez. Là. Comme ça. Fais juste décoller légèrement les omoplates du sol. Et on sent que ça travaille dans les abdos. 3, 2, 1. On prend un break, on relâche 10 secondes. Une deuxième et dernière fois. Pour le toucher des orteils, on relève les jambes. C'est parti. Allez-y chacun à votre vitesse. Hein. Vous pouvez prendre une plus longue pause en bas, puis remonter ensuite, ou vous pouvez aller plus vite. Chacun son rythme. Reste 5 secondes. 2, 1, stop. OK, on relâche. On va se retourner pour se lever tranquillement. On va terminer avec nos étirements qui vont se faire pas mal debout. Donc, prenez le temps de vous lever. Peut-être prendre une petite gorgée d'eau. Alors, c'était très rapide, la période abdominale. Mais on avait fait un petit peu là, tout au long. On avait travaillé quand même fort. Donc, un petit peu plus d'accent sur la ceinture abdominale à la fin. Mais ça a quand même travaillé tout au long de la séance. Donc, nos étirements, notre retour au calme. 4 à 5 minutes. On passe ça debout. Position de base. Donc, comme au début, pied largeur des épaules. Ce qu'on va commencer par faire, c'est des grandes respirations. Donc, j'aime bien faire là, les bras descendus comme ça le long du corps. Et à l'inspiration, on ouvre les bras vers le plafond. Et à l'expiration, on redescend. Donc, on va faire ça 2-3 fois. Donc, inspire en ouverture, comme ça. Et là, vous allez aller chacun à votre vitesse. Donc, à pleine capacité de vos poumons. Et on vide complètement aussi en redescendant. Vous pouvez inspirer par le nez en montant. Et expirez par la bouche en descendant. Que chacun son rythme, vous pouvez aller plus vite ou plus lent que moi. On va compléter celle-ci. Celle que vous êtes en train de faire, on la complète. Good. Et on va continuer là, avec des étirements. On amène les deux bras en avant, joint les mains. Et on va pousser les deux bras le plus loin comme ça, vers l'avant, le plus loin possible. On tente d'éloigner les omoplates une de l'autre. On tient une vingtaine de secondes. 20-25, c'est correct. Continue de garder une belle respiration profonde, régulière. On relâche. On s'en va vers l'arrière. Que les mains ensemble, encore une fois, dans le bas du dos ou un peu décollé. On ouvre la poitrine cette fois le plus possible pour étirer vers l'avant au niveau des pectoraux. Donc, poitrine bien ouverte. N'oublie pas sa posture de base, donc toujours une mini-flexion dans les genoux. Le regard loin devant. On va relâcher. Amène les bras en avant et vous allez coller vos paumes de main ensemble. Donc, un étirement des avant-bras en prière. Et on place les mains bien collées une contre l'autre. On ne les décolle surtout pas pour que ça vienne bien étirer. Et ce que vous allez faire, c'est descendre vos paumes de main ensemble là, vers le nombril. Sans les décoller. On exerce toujours une petite pression une contre l'autre. Et dans vos deux avant-bras, ça devrait tirer un petit peu. Là, plus vous descendez, plus ça va tirer.
s'attire un peu trop, seulement remonter. On relâche. Faire quelques rotations des poignets dans les deux sens. OK, pour me permettre de bien relâcher suite à cet étirement. Maintenant, on passe au quadriceps, au niveau des cuisses. Vous avez besoin de plus d'équilibre. Placez-vous près d'un mur. On va chercher le dessus du pied ou la cheville, OK, pour ensuite tirer le talon vers la fesse en gardant une posture allongée. On reste stable. On veut que ça tire en avant de la cuisse. OK, si ça ne tire pas, on va chercher encore plus loin, que le talon plus loin vers la fesse. Relâche. Même chose de l'autre côté. On reste stable encore. Mini flexion dans le genou à la jambe d'appui. Restez très droit. Let's go, on veut que ça tire. Super. Maintenant, l'arrière des cuisses. On va faire les ischio-jambiers qui sont juste ici. On amène un pied en avant. Sur le talon. Ensuite, vous levez les orteils au maximum vers vous. On va s'appuyer sur l'autre jambe qui va être fléchie. Donc, on pousse les fesses en arrière comme si on voulait s'asseoir dans le fond de notre jambe. Comme ça. Tout en levant les orteils, celle-ci est allongée. Et ce qu'on devrait ressentir, c'est un étirement derrière la cuisse, derrière le genou. Plus vous descendez, plus vous allez sentir. On tient quelques secondes. Même sur l'autre côté. On lève les orteils. Pousse les fesses derrière. On sent bien l'étirement. Si c'est pas assez, descend encore plus bas. On relâche. Good. Je vais faire terminer par le même exercice qu'on a fait au début en retour au calme, donc les respirations. On se replace les pieds largeur des épaules. On inspire en montant et on expire en redescendant. On va faire ça deux autres fois. Donc cette fois-ci de la même façon. Inspire et expire en descendant. La fois suivante, qui va être la dernière fois, on inspire comme les autres fois, comme ceci. À l'expiration, vous allez plonger vers le sol jusqu'en bas en vidant les poumons, comme ça. Et rendu là, tu remontes tranquillement en déroulant comme une vertèbre à la fois jusqu'en haut. Good. Et bravo gang! Ça complète l'entraînement du jour. J'espère que vous avez aimé ça, que vous avez senti que ça a travaillé fort, que vous êtes fiers de vous. Donc, c'est un super training qu'on vient de faire ensemble. Donc, je souhaite une belle fin de journée et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires si vous avez à nous faire. Donc, ça fait toujours plaisir de vous lire. Puis, soyez là demain pour un prochain entraînement à 11h en Facebook Live. Salut, à bientôt!